composé de 10 manomètres et 10 humidificateurs, ce dont vient tant soit peu apporter la solution au problème de prise en charge des malades atteints de la forme grave de Covid-19 admis à l'hôpital général Adolphe Cissé. Une façon pour la Fondation Brasco, représentée par son président, d'appuyer le programme national de riposte à la pandémie Covid-19. Brasco, en tant qu'entreprise responsable et citoyenne, s'emploie à travers sa fondation à soutenir les communautés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement. À travers ce geste, il s'agit pour la Fondation Brasco de soutenir des acteurs dynamiques que vous êtes, engagés dans ce combat quotidien contre la pandémie qui nous touche dans notre pays. En vous remettant ce lot de matériel sanitaire, nous n'avons aucun doute du bon usage qu'en fera le personnel de santé et de la plus-value que ces équipements apporteront dans la prise en charge des malades. Réceptionnant le don, le directeur général de l'hôpital à Cissé, Lambert Chakirou, apprécie ce geste de la Fondation Brasco. Nous tenons à vous remercier infiniment. Nous savons tous que les bons amis se reconnaissent toujours dans les moments difficiles. Nous avons reçu plusieurs malades dans des situations difficiles. Et par rapport aux problèmes que nous avons connus, nous avons eu affaire à la main tendue. Et voilà qu'aujourd'hui, vous avez répondu présent. Un soulagement pour l'unité de prise en charge du Covid-19 de cette structure, dont le responsable, le docteur Michel Moncou, souligne l'intérêt du matériel reçu. Ce que j'ai en main, c'est le manomètre. C'est un instrument de travail pour tous les patients qui ont besoin d'oxygène. Et donc, tous les malades graves, normalement, doivent être mis sous oxygène. Et l'oxygène, pour le mettre, il faut un débit. Et à l'humidificateur, oui, c'est le barboteur. Voilà, on met un peu de l'eau là-dedans et puis on humidifie l'air qui doit aller dans les poumons du malade. Ce genre d'initiative venant des partenaires privés constitue ainsi une bouffée d'oxygène pour les hôpitaux du pays face à la demande de plus en plus croissante liée à la hausse du taux de contamination au Covid-19 enregistré ces derniers jours. C'est bon ? C'est bon. Tu m'as vu tous les jours et tu me vois encore.